quoi faire. Ouais, Gilles, léger virage main droite. Léger virage main droite, ok. Suis la vallée en fait. Ouais, ouais. Je vais suivre la vallée, ok. Ouais, le point 4, 57 km. Voilà, je vais revenir un peu sur la gauche. Oui, oui affirmatif, on n'est pas sur le trait de... Ouais, ouais, ouais. Bon, à partir de là, il n'y a pas de danger de SAM, hein, à moins de monter très au nord. Ok. Notre route, c'est safe. Ok, je vais monter un peu en altitude pour prendre le... Là, ça y est, je rétablis cap 1, 2, 0. On est avec toi. Ok, j'ai un peu écarté main droite, mais on est bien en ligne. Je pars sur ma zone de strike. Ok, je pars sur ma zone de strike aussi. Sur November. Ok, au RWR, j'ai Oscar November et le S, tu l'appelais comment Ira. Ira. Ok, j'ai acquis le visuel de la position de Sierra. Ouais, je suis loqué par November. Ok, je me dirige sur ma zone. Et loqué par November aussi. Merde. Ah, par contre, November, il est vraiment en plein désert, lui. Il y a un départ missile. C'est moi, pardon. Non, il y a un départ missile de SA-8. C'est rien. C'est le tien qui tire, Mika. C'est rien. Ouais, flare-chaff. Alors ça, c'était pas prévu. Il va pas, hein. reste à distance. Le Z tire pas loin. Et on le traitera ou pas, on verra. On va traiter ceux qui ne tirent pas. On peut revenir sur notre zone ou de strike affirmatif, ou pas affirmatif. Ok, je reviens, je fais un demi-tour alors, je retourne sur ma zone. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un périmètre dans lequel il faudrait qu'on soit tous les trois? Non, il y a un truc qui marche pas dans le... Il y a un truc qui marche pas tout simplement. Sincèrement, ça marche bien sinon. En fait, j'ai fait toute la zone Sierra, November, Echo, j'ai pas eu de tir. Putain, c'est bizarre. Ouais, y a, en fait, dans les conditions de trigger, il y a un truc qui marche pas purement DCS. Hein. Pour un avion, ça fonctionne. Mais n'y va pas, hein. À la limite, donne un coup de main à Gilles, on ira sur la position S s'il le faut, et on viendra de la guider, et puis on lui fera la peau. Hein. Boum, c'est détruit, l'OSA est détruit chez moi. Ok, là, c'est ce que je vais faire, je vais m'occuper de Echo. Bien pris. Chez moi, c'est détruit. Il me reste de la petite bigaille, est-ce que je la fais au canon? Ou est-ce que je viens vous aider? Il me reste encore de quoi tirer sur du gros. Hein. Bah sur peut-être... Non, bah, je fais ta zone, hein, Mika, il est full armement, donc... Ah ouais, ok. Ouais. Allez putain, j'ai Echo qui me tire dessus. Bon bah y a deux SAM qui sont actifs alors qu'ils étaient pas actifs quand je... Oh putain la merde. Pull up. Oh, c'est pour passer moi. Oh la vache. J'ai cru que j'étais mort. J'ai tiré au canon, je me suis fait une fixette. Et heureusement que j'avais les couilles de rentrer parce que je crois qu'elles auraient pas pu. Et... On va sur les usines? Oui, voilà. Par contre, faites gaffe dans la trajectoire S-Ouest de pas vous trouver sur Echo. Hein. Ok. Echo, il est juste en face. Hein. Ouais. Et du coup, bah, pareil pour le November. Hein. Voilà.
Je crois les usines, usines plus au nord. Ah, copie. Moi, je pars en diagonale comme ça. Enfin, plus au nord. Celles qui sont. À l'est ou à l'ouest? Bah, celles qui sont au nord. Attends. Oui. Oh putain, il y a de l'incendie au niveau des. Ok. Ok. Pour celles qui sont plus à l'est. Ouais, pareil, Rifle. Je commence à taper une. Au niveau de l'est, je sais pas si ça fait. Vloom! Ok, Gilles, je passe au-dessus de toi en croise. Belle. Je fais mon demi-tour. C'est... Ah putain, j'ai du lock de, du truc de. De l'autre côté là. Putain, Gilles, on se croise. Ouais, j'ai vu. Ok, j'ai là et là. Rifle. Et j'ai l'hôte, donc je vais vous pointer sur l'hôte. Bon, je suis le dernier par désespoir. J'ai gardé au cas où les deux. Hein. Yes, Splash One, Gilles. Ouais, c'est bon. Je vais sur le deuxième. Dans allez, 20 secondes, je vais tirer. Top est là. Oh, joli départ. Oh, joli départ. Et je dégage parce que il me lock. Allez. Sur la deuxième usine. Les missiles à Gilou, ils sont en fait propulsés avec des petits aimants latéraux. Ouais. Top. Top à la vachette. Ah mais alors j'ai un missile va dessus hein. Pas il va dessus non. Ah si tu arrives, c'est bon. Ok. Alors malentendu il va taper à côté. Mais alors, c'est bizarre que les toutes premières ne font pas ça. Ah, ouais, il va taper à côté, regarde. Non mais il y a mis 5 points quelque chose. Il tape juste à côté, alors que c'est plein de francs. Hop, non, ça y est, corrige un peu. Il est dedans. Non, là, je visais là. Voilà. Clairement, je visais là. Donc, les trois premiers, ça fait n'importe quoi. Flash, Ouais. Par contre, il reste des véhicules sur zone. Bonjour, Scipio. Bonjour. Attends, je passe maintenant en vue flyby. Ah ouais. Voilà la vache. Là, il y a de la vidéo. Bon, ah, numéro 11, bonjour. Bonjour, monsieur. À pied, le véhicule. Oh, putain. Attention, parce que je sors les airbreaks. Moi, je vous fais un coup à la Maverick. Eh, ben, attends, je te fais signe avec ma main, mais tu me vois pas. C'est quoi ce signe? Je t'ai vu, hein? Voilà, les Scipio, comment il met son...
Là, j'ai pas intérêt à descendre ou monter, moi. Non, mais surtout que je dois garder ta terre, hein, si je viens. Ah, oh, la vache. Là, du coup, t'oses même plus toucher un bouton. Non, mais c'est ça. Springfield, 1-1. Request navigation assistance. 14 km, c'est ça? Ouais. 10 nautiques, il faut prendre un cap 132, là. Je me mets en base sur la 09. Ok, je suis toujours avec Delta, en virage avec toi, c'est éloigné. Ouais, parce que j'ai pas visuel sur toi. Non, je garde le visuel. Sortie du train. Les traînées toutes sorties. Je suis à 400 km/h, hein. Je vais réduire moi. J'étais en visu là, Gilou, Thierry aussi. Ok, je commence à taper un break. 380 km/h. Je pose à droite, Gilles. Ok, je pose à gauche. C'est pour moi. Ouais, je sais, ouais. Je vais réduire en mettant de la dérive. Je vais poser, je vais laisser le filet. Ok. Donc toi, tu pourras poser derrière et toi, tu freines du coup. 340, 330. Je confirme, je pose à gauche. 320. Mika est devant toi. Mika est devant moi, je le vois pas. Je suis derrière, Julien. Ah ok, 300. 290. Ouais, c'est bon, je prends la gauche. Posé. Parachute. Reste à gauche, Gilles. Ouais, je reste à gauche. Ok, touchdown pour moi. C'est bon. Et je laisse filer jusqu'au bout avec airbreak sorti. C'est bon. Ok, je mange sur la ligne blanche gauche. Limite terrain, ok. Pour vous laisser okay, passer copie. Au cas où. Ah bah oui, il y a un port. Mika vient de passer. Ouais. Vitesse contrôlée pour Spock. Et Spock, je te vois derrière. Ok. Là, on a posé tous les trois quasiment. Oh. C'était joli. On sort. Il okay, y a encore une sortie après ou pas? Là, moi, j'ai une sortie, je la prends maintenant. Ok, ouais, bah, je vais faire demi-tour. La prochaine bretelle aussi. Ok. Bah, on remarque que moi, je vais faire demi-tour là parce qu'en fait, faut revenir à la 9 pour décoller. Parce qu'on peut ravitailler. Ah, le parking est devant moi. Je vais aller sur le parking pour être sûr de pouvoir ravitailler, parce que je crois qu'il y a des zones où on peut plus ravitailler. Ouais. Je suis derrière toi, Spock. Les aérodromes, tu peux ravitailler toujours partout. Ah bon, je croyais qu'il y avait des zones où on ne pouvait plus. En hélico, oui. Je suis derrière toi, Spock. Ouais, copie. Bon, c'est bien la piste 11. Nickel, j'ai trouvé. Ah, je vois Scipio qui arrive sur le côté. Putain, hier les gars, j'ai volé sur les serveurs couteaux là justement pour tester